rapide. Maintenant, relance-le-moi. Veux-tu jouer à attraper, Morphel? Morphel veut pas jouer à attraper. Ok. Veux-tu dessiner quelque chose? Morphel ne veut pas dessiner. Alors, qu'est-ce que tu veux faire? Tu voudrais peut-être jouer à cache-cache? Peut-être. Ok. Commençons à compter. Non! Morphel, veux-tu que je te raconte une histoire? Alors que le garçon se dirigea vers la maison, la porte s'ouvrit d'elle-même et il entendit une voix effrayante. Morphel aime pas histoire. Waouh, tu es vraiment de mauvaise humeur aujourd'hui, Morphel. On pourrait peut-être aller à la plage. Cela te remonte toujours le moral. Morphel, attention! Pardon. Construisons un gros château de sable, Morphel. Rudement affamé, toi. Morphel, as-tu pris un petit déjeuner ce matin? Non. Morphel, pas petit déjeuner. Morphel voulait jouer. Alors voilà pourquoi tu as été grincheux tout ce temps. Tu n'as rien mangé. Allez, Morphel, régale-toi. Tu te sens mieux maintenant que tu as mangé? Maintenant, Morphel heureux! Il y a un crocodile dans mes pommes! Un requin! Et vous gagnez le prix du meilleur. Arrosons notre magnifique jardin, Barky. Attends un peu. Ce n'est pas un tuyau d'arrosage, c'est un serpent. Aujourd'hui, nous sommes les voleurs d'animaux sauvages. On vole des animaux sauvages et on les relâche dans la ville. Mais Stan, je pensais que nous étions... Chut! Relâchons le tigre.
me fait peur aussi, Morphle. Il est très dangereux. Mais tu n'as pas à avoir peur de lui, parce que tu peux te transformer en quelque chose de bien plus grand pour que le tigre soit effrayé. Oui, je sais ce qui fait peur à un tigre. Regarde, un grand T-Rex. Morphle encore effrayé. C'est normal, mais tu dois surmonter ta peur. Comme ça, tu deviendras plus courageux et tu auras de moins en moins peur. Maintenant, faisons fuir tous les animaux sauvages de la ville. Tu entends ça? Grâce à ces animaux sauvages, tous les habitants restent enfermés chez eux. Ils ont tous peur. Comme ça, on peut exécuter notre vrai plan. Oui, en fait, nous sommes des voleurs de fruits. Cinq fruits et légumes par jour éloignent les maladies. Donc si on mange tous les fruits de la ville, on n'aura plus jamais besoin d'aller chez le docteur. Et le docteur, ça fait vraiment peur. Tu entends ça, Morphle? Nous devons les arrêter. Change-toi en gros crocodile. Un énorme et dangereux crocodile. Voleur, vous n'avez pas besoin de voler tous ces fruits. J'avais toujours peur du docteur, mais j'y allais quand même. Et maintenant, je n'ai plus peur du tout. Parce que quand on surmonte ses peurs, on devient plus courageux. C'est vrai? Bonjour, vous voilà. Entrez, n'ayez pas peur. Il n'est pas du tout effrayant, Stan. Oh non, j'ai perdu mes lunettes. Ne t'inquiète pas, papa. Souviens-toi juste où tu les avais en dernier. Oui, bonne idée. Je les ai peut-être perdues quand nous sommes allés au pôle Nord voir l'éléphant des glaces. Oui, Morphle aimait l'éléphant des glaces. Parce qu'il fait de la glace. Ah oui, je me rappelle maintenant. J'ai glissé sur un banana split et là j'ai perdu mes lunettes. Mais l'éléphant des glaces te les a rendues. Souviens-toi. Ah oui, c'est vrai. Tu es allé après. Ou alors, peut-être que je les ai perdus ce matin dans le désert quand on a apporté Papa Jungle à son nouveau maître. Oh oui! Maintenant, je me rappelle. Ce singe de la jungle m'a volé mes lunettes. Il faut qu'on retourne dans le désert pour les retrouver. Non, papa! Morphle s'est transformé en singe aussi. Et te les a rapportés. Oh, oui, je me souviens. Donc, tu n'as pas perdu tes lunettes dans le désert. Où est-ce que tu aurais pu les perdre? Après, nous avons dû attraper l'animal magique qui s'est échappé. Chatouille, son pouvoir magique, c'est qu'il fait rire les gens de façon incontrôlable.
Chatouille m'a fait rire si fort que mes lunettes sont tombées. Oui, mais je les ai rattrapées et te les ai rendues. Ah oui, tu as raison. Te souviens-tu de ce que tu as fait après ça, papa? Après ça, ben, je suis rentré et je me suis assis. Tu étais assis dessus depuis le début, papa. Tu as raison. Oui. Ah, beaucoup mieux. Regardez, Mila et Merfel, voici ma dernière invention. Tout ce que je zappe avec ma machine devient très grand ou très petit. Waouh! Nom d'une éprouvette, elle a disparu. Maintenant, on est les bandits du bâtiment. Morphol, poursuis-les. C'est Morphol. Prends ça. Quoi? Ma maison. On va prendre le poste de police. Hé, hey, vous deux, stop! Sale bandit! Attendez que j'en ai fini avec vous! Vous ne vous en tirerez pas comme ça! Je vais vous attraper et vous mettre derrière les barreaux! Vous n'êtes que des bons à rien! Arrêtez-vous immédiatement! Arrêtez-vous, je vous dis! Voilà qui va les ralentir! Oh! Milou! Milou, ça suffit. Va chercher. Morphol, transforme-toi en maison.
Attention, les voilà qui arrivent. Et en voilà encore une. Salut. Un crocodile. Bien joué, Morphol. Maintenant, rendons à chacun sa maison. Incroyable, Mila et Morphol. Grâce à vous, tout est redevenu normal. Et vous là-bas, arrêtez! Voler du fromage, hein? Ah non, pas dans ma ville! Morphol, morphe-toi en dauphin! Il n'y a rien que les dauphins aiment plus que jouer. Ah, maintenant, c'est notre balle. C'est méchant. C'est la balle des dauphins. Eh bien, on est des pirates et on adore faire des choses méchantes. Nous devons récupérer la balle des dauphins. Il n'y a rien que les dauphins aiment plus que jouer. Morphol, récupère balle. Oui, allons récupérer la balle. Mais qu'est-ce que c'est? Il est écrit que cette bouteille nous amènera vers le trésor de Neptune, le roi de la mer. Wow! Suivez-moi. Suivons-le jusqu'au trésor, Phil. Nous sommes des pirates et nous adorons les trésors. Le poisson s'est arrêté. Le trésor doit être ici. Je suis Neptune, le roi de la mer. Si vous voulez mon trésor, vous devez passer cette épreuve. Vous arrivez à la fin de ce courant d'eau magique, je vous donnerai mon trésor. Un peu plus haut, Morphol. Je l'ai presque. Là-bas.
mon petit ami rouge. Tu as réussi mon épreuve. Comme récompense, je te donne mon trésor. Quand tu portes cette couronne, tu peux contrôler la mer. Les dauphins aiment jouer. Mais ils n'ont rien pour jouer car nous n'avons pas retrouvé la balle. Chez nous, dauphin. Triceratops, bébé. Oui, j'ai trouvé ces œufs avec ma machine à remonter le temps. Ils étaient posés comme ça, dans le futur, sans parents pour s'en occuper. Morphone, morphe-toi en Triceratops. Les dinosaures n'existent plus maintenant. Mais avec cette machine à remonter le temps, nous pouvons trouver des dinosaures différents de millions d'années et les zapper dans notre époque. Comme ça, nous pouvons les étudier. Bien, nous n'avons plus besoin de lui maintenant. Nous allons le renvoyer chez lui. Professeur Rachid. Oh non! Mila, utilise la machine pour me ramener dans notre époque. Je vais essayer. Oui, super. Zappe-moi. Oups! Oh non! Essaye encore! Mila, toi et Morphel, vous devez aller chercher mon amie, professeur Tsong. C'est aussi une scientifique. Elle pourra réparer la machine. D'accord. Attention, Morphel. C'est un T-Rex. Ah.
retrouver Professeur Tsang. Viens, Morphol, par là. Les dinosaures sont partout dans la ville. Oh, attention, Morphol, c'est le T-Rex. T-Rex mange pas, bébé. Ici qu'habite Professeur Tsang. Professeur Tsang? Mila, Morphol, que se passe-t-il? S'il vous plaît, aidez-nous à réparer la machine. Nous devons zapper le T-Rex dans son époque. Oh non! Le T-Rex arrive! Ok, c'est réparé. Morphol, zappe-le. Oui, ils ont réparé la machine. Maintenant, renvoyons les autres aussi. Merci beaucoup de m'avoir sauvé, Mila et Morphol. Alors, j'en ai parlé avec Professeur Tsang, et c'est peut-être mieux si nous renvoyons aussi les bébés Triceratops dans leur époque. Mais vous avez dit qu'ils n'avaient pas de parents pour les protéger. Oui, mais... Morphol, pas renvoyer bébé. Mais nous ne pouvons pas les garder, Morphol. Maman et papa veulent que je n'ai qu'un animal de compagnie. Mais je t'ai déjà. Ne t'en fais pas, Morphol. Je sais comment leur trouver un bon foyer. Nous devons être très prudents avec ça. C'est une grosse boîte remplie de monstres effrayants. Il faut que j'appelle la police. Morphol, jouez avec monstre. Non, Morphol. Allô? Allô? C'est affreux. Quelques-uns de mes monstres effrayants se sont échappés. J'arrive. Câlin.
tu n'as pas le droit de faire peur aux gens, monstre. Morphol ? Morphol ! Morphe-toi en toi-même ! Morphol, pas vrai monstre ! Hein ? Morphol ! Les monstres font peur à tout le monde, mais Morphol n'est pas un vrai monstre. Ah, voilà les vrais monstres! Arrêtez de faire peur à tout le monde, vilain monstre! Ne me faites pas peur comme ça! Bonjour! Hé! Hey, les monstres ont peur de Morphol. Tu es un monstre de monstres effrayant! Alors, n'ayez pas peur de Morphol. C'est un de mes amis, et il est en fait très doux et câlin. Regardez, vous pouvez le caresser. Vous voyez ? Mais ce n'est pas agréable d'avoir peur, pas vrai les monstres ? Alors, vous ne devriez plus faire peur aux gens. Je pense que les monstres devraient aider les gens à ne pas avoir peur d'eux. T'aider à ne pas avoir peur. Oui, tout comme moi qui vous ai aidé à ne pas avoir peur de Morphol. J'ai peur du docteur. Le monstre n'a pas peur du docteur. Tu ne devrais pas avoir peur aussi. J'ai trop peur de faire du vélo. Le monstre va t'aider à ne pas avoir peur. Morphol, j'ai peur de l'obscurité. Morphol, peur aussi. Mais nos nouveaux amis nous aideront à avoir moins peur.